m'appelle. Je suis assistant du docteur. Je suis assistante du moral de troupe. Je suis représentante de la joie aussi. Je suis consultante en voyage, en grand voyage même. Je suis souffleur de poésie. Ah oui, puis bien sûr, je suis chercheur de trésors. Ça va? T'es bien installée? Ça va, les voisins, ils te gênent pas trop? Non? Tes lunettes non plus ne te gênent pas? Non. Rien ne te gêne, en fait. T'es bien installée, comme ça? Oui. Et est-ce que tu respires bien? Ah, non, ah, non. Alors, bah, ça tombe bien, parce que je suis respirateur d'hôpital aussi. Ah oui, alors, ah bah, c'est super. Tu sais que c'est très important de bien respirer de l'intérieur. Bon, bah alors voilà, on va respirer alors. Alors attends, parce que la respiration, c'est scientifique. Tu sais qu'il faut d'abord que tu places... Vas-y, fais tout ce que je dis. Tu places bien tes pieds à terre. C'est scientifique, tu les places bien. Tac. La colonne, elle est archi bien droite. Super scientifique, là. Vas-y, fais colonne bien droite. Voilà. Et ceux qui n'ont pas colonne bien droite, ça ne marchera pas, tu pourras pas respirer. Vas-y. Et alors là, tu vas respirer. Mais tu vas respirer du centre de la Terre jusque dans les étoiles. J'adore, c'est scientifique. Alors tu fermes les yeux. Et on va le faire 3 fois de suite parce que c'est sacrément mieux, tu verras. On y va. Ferme les yeux. Tu inspires du centre de la Terre jusque dans les étoiles. Et après tu reviens dans le centre de la Terre jusque dans les étoiles. Et puis une dernière fois, tu vas encore plus loin dans le centre de la Terre. Et tu vas encore plus loin dans les étoiles. Alors, tu te sens pas un petit peu plus grand? Ça tombe bien. C'est un bon départ. Ah oui, parce que tu sais que... Ah bah oui, tu sais que tu vas mourir. Un jour, enfin non, là, pas tout de suite, enfin, j'espère pour toi, mais ça va, tout est bien pensé à Cannes? Est-ce qu'il y a bien tous les équipements? Ça va? Oh, ils sont super pros ici. Mais tu y penses souvent? Non, pas aux équipements, à la mort. Ça tombe bien, on va y penser maintenant ensemble. Ah, moi j'adore. Non, parce que quand même, on a une grande chance, on est tous là, bien installés, ensemble. En plus, il fait super beau, c'est un temps pour mourir, ça, tu vois. Partir avec le soleil. Non, puis en plus, on est ensemble. Alors, tu vois, c'est mieux de mourir ensemble que de mourir seul, pas accompagné. Pas dans l'amour, avec personne autour. Ou pire, sur un champ de bataille. Oh, ça. Ou alors dans ses toilettes. Oh, ça, c'est pas bien. Non, non. Alors, réjouis-toi. On va mourir ensemble. Réjouis-toi. Ah oui. Tu sais, la mort, c'est pas grave. Mais c'est important. Ah bah tiens, on va faire un truc que j'adore faire. Ah ouais, ça, j'adore faire ça. Juste avant de mourir, on va le faire. On va profiter de la vie. Ah oui. J'ai un truc, hein. Ah, je vais compter jusqu'à 3. C'est scientifique aussi. Et on profite de la vie. Attention, tu te prépares? C'est simple, hein. 1, 2, 3, tu profites. Tu peux fermer les yeux, parce que quand on profite, des fois, on ferme les yeux. Alors, attention. 1, 2, 3. On profite. Vraiment.
assez savant, hein. Ah ouais, j'ai fait beaucoup d'études de l'intérieur. Bon, alors, ça va? Est-ce que tout le monde est prêt à l'expérience de la mort? Oui, ça va, t'es bien installé? Bon, est-ce que la lumière, les lumières sont bonnes? Est-ce que le tunnel, on le voit bien? Ah, c'est ça, tout est prêt? T'es bien installé dans ton siège? Bon, bah c'est bon. Alors, je demande la musique de la mort. Voilà. Voilà, détends-toi. Non mais ferme les yeux. Détends-toi. Profite, c'est maintenant. Ah, profite, ferme les yeux. Écoute la nature. Tout va bien. Tout va bien. Ah, tu te détends. Ah, alors. Qu'est-ce que tu emportes de la terre? Oui? Et oui, qu'est-ce que tu as préféré sur cette terre? Par exemple, quels sont les plus beaux endroits où tu as été? Non mais ferme les yeux, revisite tous les plus beaux endroits de la terre où tu as été. Peut-être que ce sont tes vacances à la montagne, à la mer, une île, un pays. Laisse tout revenir. Peut-être y as-tu été qu'une seule fois, ou peut-être y vas-tu souvent comme un refuge. Ah, la ressens ce bonheur. Peut-être y as-tu été quand tu étais enfant? Ou peut-être y vas-tu parfois avec les gens que tu aimes? Ah, ressens le bonheur. Ah, les endroits où tu as été heureux. Oui. Et les gens que tu aimes, tu les revois? Les plus beaux événements de ta vie. Un mariage, une rencontre, un bébé. Souviens-toi. La première fois que tu as rencontré quelqu'un qui va compter dans ta vie. Première fois, un enfant tout contre son ventre. Oh. Et tu te souviens des plus belles musiques que tu as écoutées et qui t'ont rendu plus grand? Peut-être que tu as lu des livres qui t'ont fait grandir. Peut-être as-tu dégusté, ah oui, dégusté des mets délicieux avec des gens que tu aimes. Ou passé des nuits merveilleuses. Souviens-toi. Oui, souviens-toi. Ah oui, ou peut-être ça. Peut-être ça. Oh, rire, faire rire, ou mieux, prendre le temps d'écouter ce qu'on aime rire. Qu'est-ce que tu as fait de plus grand, de plus beau? Car c'est avec ça que tu vas partir. Peut-être que c'était des choses exceptionnelles, ou peut-être c'était tout simple. Qu'est-ce qui t'a vraiment mis en joie?
C'est tout dans le cœur. Ressens, c'est intact. C'est tout dans le cœur. Ouais, prends le temps de revenir. Voilà, prends le temps de revenir. Ah oui, parce qu'en même temps, le bonheur, c'est maintenant aussi. Voilà, prends le temps. De ressentir que quand tu ouvres les yeux, t'es encore plus grand, plus heureux. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, ce soir ? Bah, le partager avec les gens que tu aimes. Alors, s'il n'y a personne chez toi, t'appelles un ami et tu lui racontes. Tu lui racontes ce que t'as préféré sur Terre. Tu vas voir, ça va le scotcher. Ah oui, parce qu'on n'a pas l'habitude en France, hein, de parler de bonheur comme ça. Ça va peut-être les inquiéter. Ils vont te demander peut-être si t'es malade. Oui, parce qu'on préfère râler en France et dire tout ce qui va pas. Oh là là. Ben voilà, hein. Il te reste à vivre, en fait, avant de mourir. Ah mais oui, parce que c'était pour de faux. Ah non, on va pas mourir. Enfin, tout de suite. C'était vraiment pour de faux. On s'entraîne. Oh, on s'entraîne. Parce que tu sais, hein, le meilleur entraînement pour mourir, tu sais ce que c'est. Ben, c'est d'emmagasiner le bonheur. Alors, entraîne-toi bien. Entraîne-toi bien. Ah oui, le bonheur, c'est maintenant, c'est ça.